Merci aux organisateurs de nous avoir invités et merci à tous les participants d'être ici. Voilà, tout le monde voit l'écran partagé? Oui. Oui, c'est Super. bon. Comme disait Gabriella, merci de nous donner l'occasion de présenter ce beau projet qui est Smart Enseigneur. Donc, Gabriella et moi-même allons passer quelques dizaines de minutes à vous expliquer ce que c'est que Smart Enseigneur et surtout quelle démarche on a mis en place pour faire adopter un système basé sur l'intelligence artificielle pour aider l'enseignant dans sa classe. Donc, une population assez spécifique avec des utilisateurs donc qu'on appelle de cycle 2, donc CP, CE1, CE2, donc qui n'ont pas encore l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de manière fiable et autonome. Donc, merci pour ce forum. Donc, moi, je suis Vincent Allot, je travaille dans le monde de la technologie, des head tech depuis plusieurs dizaines d'années. J'ai quelques collègues en tant que participants à cet événement que j'ai vu dans la liste. J'ai travaillé dans le monde de l'e-learning et surtout dans un rôle de management pour mettre à l'échelle des organisations technologiques. Faire grandir ces beaux départements. Gabriella, je te laisse te présenter rapidement. Oui, je suis Gabriella Mendoni et je suis UX designer au sein de Ludotique depuis 2 ans et demi. Et j'ai 3 ans d'expérience dans la conception et optimisation d'interfaces homme-machine. Et pendant mes études, je me suis spécialisée dans l'e-learning et dans la conception de Serious Game. Et donc moi, je fais partie du groupe EduClever qui a une partie de sa recherche et développement sur Sophia Antipolis. Donc Smart Enseigneur, c'est issu d'un appel à projet du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du ce qu'on appelle le P2IA, le partenariat d'innovation intelligence artificielle. Nous avons répondu à cet appel à projet à travers un consortium, donc avec EduClever, Ludotique, Cabrilogue, Wimix, qui est un département de l'INRIA, l'IFE et l'IREM pour mettre en place les expérimentations. Et donc, l'objectif, c'est de développer un assistant pédagogique basé sur l'intelligence artificielle à destination des enseignants et des élèves de cycle 2. Smart Enseigneur, c'est vraiment en fait une plateforme numérique au service des enseignants et de leurs élèves, dédié à l'apprentissage des mathématiques et donc basé sur un référentiel didactique et un référentiel pédagogique. On n'offre pas uniquement une plateforme d'apprentissage, mais également des ressources pédagogiques adaptées à ce type de public, donc un public de jeunes enfants qui ne sont pas encore à l'aise avec la lecture, ou même avec l'utilisation de dispositifs numériques. On doit donc leur proposer une interface utilisateur ludique. Avec ce type d'utilisateur, on ne va pas leur demander de travailler 2 heures sur un dispositif. C'est quelques minutes d'attention qu'on va devoir capter de manière extrêmement efficace pour pouvoir proposer un poste de pilotage intelligent à l'enseignant. Et l'objectif de ce poste de pilotage, c'est de faire l'utilisation des meilleurs algorithmes autour de systèmes experts, de raisonneurs, de machine learning pour assister l'enseignant dans l'apprentissage des mathématiques pour ses utilisateurs, ses élèves en classe. Mais c'est vraiment un assistant et pas un système qui va prendre les décisions à sa place. C'est vraiment au cœur de notre proposition de valeur, c'est aider l'enseignant et surtout pas prendre sa place. Donc, l'IA derrière Smart Enseigneur, on s'appuie sur du web sémantique et sur du machine learning. Pourquoi? Pour
proposer un diagnostic dynamique d'acquisition de compétences. Donc, comme je vous l'ai expliqué auparavant, on travaille sur un référentiel didactique et pédagogique sur lequel on va annoter des ressources, soit des ressources formatives, soit des ressources de positionnement, soit des ressources de remédiation. Et en fonction de l'utilisation de ces ressources, on va définir un profil d'acquisition pour chacun des utilisateurs. Grâce à ce profil d'acquisition, on va pouvoir positionner au sein de ce référentiel l'utilisateur unique et lui proposer ou faire proposer par l'enseignant des parcours pédagogiques pour améliorer le dispositif d'apprentissage. Donc tout ça, c'est basé sur des règles d'experts, donc les didacticiens, mais également sur des appréciations de l'enseignant. La machine va proposer ou calculer des positionnements, mais l'enseignant reste maître pour pouvoir modifier ses propositions. C'est quelque chose d'assez unique au niveau de ces dispositifs d'apprentissage. On va laisser réellement la main à l'enseignant pour dire « Non, non, mais là, toi, machine, tu me dis que Thérèse a acquis le principe additif, mais moi, je ne suis pas d'accord. Son taux d'acquisition est plutôt à 70% et toi, tu me le mets à 90%. Non, je vais modifier ce que toi, tu me suggères et je te demande de recalculer un nouveau dispositif d'apprentissage. » Et toute la valeur ajoutée du système qu'on a conçu, c'est un système qui va permettre de mettre en lumière plutôt les difficultés des utilisateurs. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à l'élève pour le débloquer ? Qu'est-ce qui fait obstacle à son apprentissage ? Tout ça avec toute la donnée qu'on va réussir à récolter va permettre de mettre en place des groupes et surtout mettre en place des dispositifs, bien sûr, hybrides, blended, comme on dit, avec des activités utilisant le numérique, mais également des activités en classe. Donc, c'est là où l'apport de l'enseignant va être primordial pour injecter les acquis lors des activités en classe. On a essayé de définir des tableaux de bord qui sont relativement simples à lire et surtout simples à utiliser. Donc là, Lumotic a été vraiment d'un apport extrêmement précieux pour concevoir l'ergonomie et le design de ces tableaux de bord et surtout recueillir ensuite les retours terrain. Donc l'information vient à l'enseignant et l'enseignant va pouvoir ensuite avoir un diagnostic individuel, un diagnostic de sa classe pour pouvoir prendre des actions soit de groupe, soit individuelles. Donc là, vous le voyez dans cette capture d'écran sur une compétence qui est de type convertir. Pour Julie, on va pouvoir lui proposer un parcours d'apprentissage, un parcours de remédiation ou un parcours de levier de compréhension pour que ces 23%, le chiffre de son pourcentage d'acquisition, puisse progresser de manière la plus efficace possible. Tout ça est basé, comme je disais tout à l'heure, sur des profils d'acquisition. Donc, on va pouvoir visualiser l'évolution dans le temps de ce profil d'acquisition. On peut acquérir une compétence, mais on peut également, je ne vais pas dire la perdre, mais on peut l'oublier. Donc là aussi, les principes d'ancrage mémoriel vont être fondamentaux dans tout ce dispositif. Donc là, on a un exemple de proposition. Donc voilà, Julie a eu une nouvelle acquisition, a perdu une acquisition. Et donc, on va lui proposer, l'enseignant va pouvoir lui proposer des parcours de remédiation ou des leviers de compréhension. Mais
Également, on va pouvoir laisser le choix à l'enseignant sur la mesure brute. Donc, on va lui poser la question, est-ce que tu estimes que ce que je te propose en tant que machine, en tant qu'ordinateur, en tant que IA, est fiable ou pas, et est-ce que tu veux le modifier. Donc là aussi, on veut prendre le feedback de l'enseignant pour continuer à faire apprendre la machine à travers, bien sûr, des algorithmes de machine learning. Et donc, voilà, un exemple d'écran où l'enseignant va pouvoir modifier le curseur d'acquisition pour un élève donné. Et donc, tout ça, ça a été fait en collaboration avec des experts des interfaces pour que l'adoption de ce type de système ne pose pas trop de questions et soit adoptée de manière massive. C'est un projet donc, qui a démarré fin 2019, qui est dans une étape de recherche et développement actuellement, qui va être mesuré et validé ou pas par le ministère à la fin de cette année pour ensuite passer dans une phase d'industrialisation. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Gabriella qui va nous expliquer la démarche qui a permis l'adoption de ce type de système auprès du corps enseignant. Gabriella, n'hésite pas à me dire quand est-ce que tu veux que je passe de slide. Ok, du coup, je vais continuer. Tu peux passer à la prochaine slide si tu veux. Smart Enseignant a été conçu avec une approche centrée sur l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait à disposition un prototype. À travers ce prototype, on a pu faire des entretiens tests avec les enseignants et les élèves. Et on a aussi pu faire des observations dans les classes et on a soumis des questionnaires aux enseignants pour collecter leurs doutes et aussi pour collecter leurs besoins. Grâce à ces données, on a pu travailler sur une maquette fonctionnelle sous Axure. Et cette maquette nous a permis du coup de mettre à jour l'existant. Et de matérialiser et de visualiser les nouvelles interfaces de Smart Enseignant suite aux modifications faites grâce au retour des enseignants. Une fois que la maquette fonctionnelle a été consolidée, on a pu procéder avec l'habillage graphique et arriver à la nouvelle version de Smart Enseignant, qui c'est la version actuelle. Et c'était du coup une approche, on a mis en place une approche itérative, c'est-à-dire qu'on a construit des interfaces et on les a évaluées avec les enseignants et les élèves dans l'école. Tu peux passer si tu veux. Du coup, afin de comprendre quels sont les besoins et les attentes et les peurs aussi des enseignants, et afin de vous le présenter aujourd'hui, on a construit trois profils représentatifs des enseignants. Et du coup, on a un enseignant enthousiaste, l'enseignant réfractaire et l'enseignant en manque de temps. Vincent, tu peux. Et on a collecté déjà quels sont les besoins communs. Du coup, les enseignants, ils veulent faire travailler les élèves de manière personnalisée. Ils veulent identifier quelles sont les difficultés des élèves pour pouvoir du coup les faire travailler sur des compétences spécifiques et non plus avec un apprentissage linéaire. Du coup, on parle vraiment d'adaptive learning. Et ils ont aussi besoin d'avoir une vision d'ensemble
sur les profils d'acquisition des élèves, mais aussi de la classe. Un autre besoin, c'est de pouvoir laisser certains élèves travailler en autonomie pour s'occuper à côté d'autres élèves qui, dans la classe, du coup, faire des activités qui ne sont pas liées forcément au numérique avec certains élèves et permettre à d'autres élèves de travailler en autonomie. Notamment quand on est allé voir les enseignants dans les classes, ils nous ont montré que déjà, ils utilisent, si des élèves terminent avant des autres certains exercices, ils passent sur des activités qui sont faites pour le moment sur ordinateur. Mais ils ne peuvent pas collecter des données sur l'activité que les élèves aujourd'hui font sur les ordinateurs. Dans ça, tu peux... Ok. On commence par l'enseignant enthousiaste. Du coup, je vous présente un peu quels sont leurs désirs. Il montre une certaine volonté de s'améliorer, d'évoluer pour ce qui concerne leurs compétences dans le numérique, dans les mathématiques aussi et dans l'informatique. Ils attendent que cet outil soit bénéfique pour la pratique de l'enseignement, qu'il soit aussi une aide à la conception de l'enseignement et que ce soit utile beaucoup pour les élèves. Du coup, l'utilité pour les enseignants, ça correspond à l'utilité et à l'acceptabilité des élèves. Et ils souhaitent aussi que les élèves puissent apprendre par essais et erreurs, du coup, qui se sentent libres d'expérimenter dans un environnement ludique et qui permet aux élèves d'être engagés, d'être attirés par du coup la dimension mathématique. Après, on a les craintes qui sont plus liées à des problèmes d'acceptabilité sociale. Du coup, les enseignants, ils se demandent si les parents et aussi leur entourage professionnel sera d'accord sur l'introduction de cet outil. Ils ont aussi peur que l'équipement proposé et disponible à l'école et à la maison ne soit pas adapté. Pour ce qui concerne l'enseignant réfractaire, on a des autres attentes parce que les enseignants réfractaires souhaitent être plus accompagnés à la compréhension de l'outil. Ils voudraient que les élèves continuent à travailler dans un environnement sérieux qui puissent garder l'attention sur l'activité d'apprentissage et qui puissent savoir qu'ils sont en train non de jouer, mais de travailler et de savoir sur quoi ils travaillent et pourquoi. Et du coup, les craintes des enseignants réfractaires sont plutôt liées à leur manque d'expertise et de maîtrise du numérique. Ils ont peur que l'apprentissage et l'utilisation de ce nouveau outil puissent être coûteux en termes de temps et d'énergie, qu'ils puissent se retrouver en face d'un assistant trop directif et qui fasse des propositions non pertinentes. Et il y a aussi un problème qu'on retrouve beaucoup dans le monde de l'intelligence artificielle, et c'est du coup la protection des données. Qui va traiter ces données, comment elles vont être traitées. C'est pour ça que c'est important, comme Vincent disait avant, de faire comprendre aux enseignants qu'on est en train de concevoir un outil qui n'est pas pensé pour du coup être un substitut de l'enseignant, mais d'être un support, en fait un nouveau tool pédagogique. Et les enseignants réfractaires, ils ont aussi peur que
il puisse y avoir un impact négatif sur les enfants. Notamment, il y a des enfants qui veulent faire tout juste tout de suite et qui pourraient être du coup dans l'utilisation de la plateforme pourraient ne pas en fait arriver à prendre à main l'outil de manière à être à l'aise et du coup à pouvoir faire des exercices sans avoir peur de mal utiliser l'outil et de ne pas comprendre l'outil. Et enfin, on a l'enseignant et manque de temps qui a plus des besoins du coup pragmatiques, concrets. Ils ont besoin du coup, ils attendent que Smart Enseignant soit un outil capable de leur donner un accès facile et centralisé aux informations sur du coup les difficultés des élèves, leur profil d'acquisition, etc. Et il s'attend aussi que cet outil puisse réduire des tâches répétitives et fastidieuses, comme par exemple les corrections d'exercices, et que Smart Enseignant puisse fournir des activités pertinentes et adaptées aux besoins de chaque élève. Les craintes de l'enseignant et manque de temps, du coup, c'est de se retrouver à avoir à gérer des problèmes techniques, de connexion Internet, manque d'équipement, le fait que les outils ne soient pas performants et solides, le fait de se retrouver avec des élèves qui ont difficulté à utiliser l'outil. Et du coup, ici, on voit beaucoup l'importance d'une approche centrée sur l'utilisateur, du coup, sur les élèves et de la conception du coup, qui est basée sur une analyse de l'usabilité de l'outil. Et une autre paire des enseignants et manque de temps, c'est aussi que l'introduction de Smart Enseignant puisse être un problème au niveau d'organisation pédagogique. Du coup, qu'il puisse avoir un manque d'harmonie entre les activités sur Smart Enseignant et les activités en classe. Et du coup, que les élèves puissent aussi perdre de l'intérêt pour des autres activités en classe et privilégier, par exemple, l'utilisation du numérique. Du coup, notre objectif, c'est de collecter toutes ces données, de comprendre qu'est-ce que les utilisateurs cherchent et de quoi ils ont peur pour pouvoir concevoir un outil vraiment adapté et qui puisse s'intégrer de manière harmonieuse dans les classes. Je te laisse conclure, Vincent. Donc là, tout l'objectif du ministère de l'Éducation nationale, hein, qui est à l'initiative de ces différents projets, c'est l'intelligence artificielle, oui, mais à quelles conditions? Donc c'est vraiment, vraiment un focus sur son utilité. Il faut que ça puisse servir, il faut que ça puisse être utilisé également, et il faut que ça puisse être accepté. Il y a eu un énorme travail de fait également sur le formalisme pour que les parents qui ont leurs enfants qui participent à l'expérimentation soient au courant, soient informés. Donc, on a mis en place un site compagnon, par exemple, qui permet d'informer les utilisateurs, les parents, les enseignants, la direction académique, les directions du numérique pour l'éducation, du dispositif. On essaye de les sensibiliser et de les rassurer. Donc, il est hors de question pour des populations mineures de collecter des noms, des prénoms, des emails. Donc, les enseignants ont pour obligation d'utiliser des pseudonymes ou d'utiliser juste des prénoms. Donc, là aussi, nous, dispositif collecteur de données, on ne collecte aucune donnée privée, en raison de plus pour des enfants. On veut également
expliquer la responsabilité des enseignants au cœur de ce dispositif. Donc, on les accompagne pour qu'ils puissent tirer le meilleur parti de ce dispositif. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans une démarche expérimentale. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore sûr que ça fonctionne. Les retours des enseignants ont l'air positifs, mais on reste dans une démarche expérimentale. Le référentiel qu'on utilise est extrêmement vaste et la démarche expérimentale actuelle a modélisé une toute petite partie du référentiel didactique de l'apprentissage des mathématiques dans le cycle 2. Donc, la phase d'industrialisation va, si on y va, si on est qualifié, va nous permettre d'étendre ce référentiel et donc de créer de nouvelles ressources pédagogiques. Mais là aussi, la réussite va venir du terrain et des données qu'on aura pu collecter sur une meilleure progression dans les apprentissages. Il est 15h43, on a 2 minutes pour les questions. On trouvera au niveau du timing. C'est impeccable, je vous félicite. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On vous passera la parole pour poser votre question en direct. Voilà, c'est bon, Fabien, normalement, vous pouvez parler. Ok, merci. Bon, désolé, je suis trop bavard, mais comme il y avait personne, un peu pour ne pas monopoliser. Bref, je voulais savoir le rapport des enfants à cette étude, mais à ces outils. Je n'ai peut-être pas bien entendu, bien écouté à ce moment-là, mais ils connaissent l'informatique, ils n'ont pas de problème avec le digital, je suppose, en général. Mais comment est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils sont dans le jeu ? Quand on parlait, c'est du travail, pas... Enfin, pour moi, c'est de l'apprentissage, ça m'a un peu choqué d'entendre ça, mais bon, c'est ma perception. Donc, quel est le rapport aux enfants à ces outils-là, selon vous ? Ce qu'on a pu voir quand on a vu les enfants utiliser Smart Enseignant, c'est que d'abord, ils sont beaucoup excités parce que c'est une nouveauté. Et du coup, c'est vrai qu'ils explorent beaucoup et ils voient ça peut-être au tout début comme un jeu. Mais ils sont très concentrés sur les exercices quand ils sont en train d'utiliser l'outil. Et du coup, pour l'instant, en fait, on n'a pas pu faire beaucoup de tests vu qu'on était confinés après. On vous a parlé plutôt des enseignants parce que même les enseignants, ils nous ont dit qu'il leur fallait du temps et de l'utilisation réelle pour pouvoir ensuite nous donner des retours un peu plus précis sur les élèves. Mais de manière générale, ils sont très enthousiastes. Les élèves qu'on a vus sont très enthousiastes d'utiliser Smart Enseignant et de faire des exercices du coup dans cet environnement ludique. Voilà. Ça, c'est. Je ne sais pas, Vincent, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, les interfaces ont été clés là-dessus. Hein. On leur a proposé. Une interface sur le thème de l'espace avec une fusée qui modélise le parcours d'apprentissage. Donc, on masque complètement le dispositif d'apprentissage à travers des interfaces de jeux vidéo et aussi orienté tactile. Hein, les équipements au niveau des écoles, c'est des tablettes. Et donc, tout se fait au doigt et les dispositifs d'apprentissage, en particulier pour le comptage, se fait via du regroupement de ressources. Donc, on a travaillé sur des Toblerone, on a travaillé sur des activités très, très ludiques. Et ça masque la partie travail tout en étant quand même un apprentissage, l'apprentissage des mathématiques. Excellent. Et est-ce que, juste, j'en profite, comme toujours, est-ce que vous avez pensé, peut-être mis en place, ou je ne sais pas, un espèce de challenge collectif ? Alors, il ne faut pas non plus mettre en défaut par rapport à la classe ceux qui ne réussiraient pas, mais une sorte de travail collaboratif pour atteindre un certain niveau avec l'ensemble des points de la classe. Je vais répondre à cette question. On a discuté avec Gabriela en préparant notre intervention. Okay. C'est un sujet extrêmement sensible. Il est hors de question
D'accord. De pouvoir mesurer la qualité de l'enseignement dans une classe. Ah, et mais donc, de pouvoir mesurer des enseignants entre eux. Le simple fait de pouvoir regrouper des élèves en groupes de difficulté de manière automatique a été un vrai débat au sein du ministère et au sein du service juridique du ministère. Et donc là, on touche des cordes très, très sensibles sur jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qui va être accepté par le corps enseignant. Donc là, on a démarré très, très petit, donc l'individu, le positionnement de l'individu dans sa classe, mais surtout pas de partage d'informations à travers des classes et encore moins à travers des enseignants ou des établissements. Oui, ce qui n'aurait pas forcément du sens de toute façon. Mais pour moi, ce n'était pas l'objectif. Hein. C'était l'atteinte collaborative de la classe d'un objectif, mais pas de comparer les classes entre elles. Merci beaucoup. Très bien. Merci à tous. Alors, on a encore une petite question, donc on va accorder juste deux petites minutes pour pas exploser le timing. Donc, Mathieu, je vais vous permettre de parler, mais voilà. Ok, je vais essayer d'être concis alors. Donc, bonjour et merci pour l'intervention. Moi, j'avais une question concernant du coup les profils pédagogiques que les élèves se voient attribuer, si j'ai bien compris. Donc ça déjà, je me demandais si c'était donc l'intelligence artificielle qui attribuait ces profils par rapport aux résultats obtenus avant l'implémentation du système, ou si c'était les enseignants qui établissaient ces profils. Et derrière, en fait, si ces profils, déjà il y avait des notions d'accessibilité, donc prise en compte de troubles comme la dyslexie, troubles du spectre autistique, des choses comme ça, qui pourraient moduler du coup peut-être les profils qui sont juste basés sur des acquisitions de compétences classiques. Et si le système l'IA en fait allait pouvoir apprendre aussi à modifier les profils et non pas juste modifier les exercices proposés. Donc il y a trois questions en une, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Alors l'IA est là pour proposer des dispositifs d'apprentissage et n'est pas là pour moduler les profils d'acquisition. Les profils d'acquisition, là c'est un dispositif ultra simple, hein. On a un graphe et on allume ce qu'on appelle des cocons, c'est des grains unitaires de compétences, connaissances, et à travers le mappage de ces grains au sein du référentiel, on sait quelles compétences sont acquises en cours d'acquisition ou non acquises. L'intelligence artificielle va être là pour proposer le meilleur chemin pour acquérir une compétence en fonction de critères de prérequis, de critères de difficulté, de critères historiques. Pour l'instant, pas de critères sociaux. Donc, est-ce que mon petit copain a acquis cette compétence en utilisant ce parcours? Donc, je lui propose le même type de parcours. Pour l'instant, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Les différents critères exogènes. Donc, est-ce que j'ai un handicap? Est-ce que j'ai des facilités? Est-ce que j'ai... Aujourd'hui, c'est modélisable au sein du profil d'acquisition, mais ce n'est pas encore des sujets qu'on a implémentés. Oui, c'est plus à la marge de la population, forcément, donc ce n'est jamais forcément considéré tout de suite. Je conçois. Et l'objectif, c'est aussi que l'enseignant puisse intervenir sur le profil d'acquisition, notamment des enseignants. Ils ont dit, si par exemple, le profil, l'élève, il n'arrive pas à compléter l'exercice, pas parce qu'il n'a pas compris, mais parce qu'il a des difficultés dans l'usage de la technologie, de la tablette. Comment on fait à savoir en fait cela? C'est l'enseignant qui doit connaître ses élèves et pouvoir aussi diriger et communiquer avec l'intelligence artificielle. Et du coup, on a encore aujourd'hui une intelligence artificielle qui est faillible, mais qui peut quand même contribuer à accompagner l'enseignant. Mais ça reste un outil. C'est l'enseignant, l'expert de sa classe et le vrai connaisseur de ses élèves.
Très clair. Ouais, merci pour vos réponses. En tout cas, ça a un très gros potentiel aussi d'outils d'expérimentation avec toutes les données que vous allez avoir à terme. Il y a aussi, je pense, un gros potentiel pour après déduire, pourquoi pas, des modèles de profil et de parcours. Merci. C'est ce que nous a demandé le ministère, justement, c'est d'être vraiment pouvoir exporter de manière anonyme, sachant qu'on collecte les données de manière anonyme, pour qu'eux puissent le mettre dans un repository et s'approprier certains algorithmes que nous, on ne pourrait pas proposer, par exemple. Donc, dans ce projet-là, il y a la mise à disposition des données des différents consortiums pour que le ministère de l'Éducation puisse travailler dessus. Merci beaucoup.